bien le bonjour les amis, c'est Angelus Yodasson sur son bureau pas rangé pour vous présenter ce petit objet. Alors quel est-il? C'est un dock iPad maison pour mon iPad à moi que j'ai, vous l'avez vu dans l'article précédent. Donc sur une idée de moi, vous verrez qu'il est un peu mieux que le dock d'origine Apple qui en plus coûte un bras. Donc vous verrez pourquoi, et je remercie mon papa de me l'avoir fait. Alors c'est quoi? C'est du bois, hein, avec une couche de peinture alu pour faire raccord avec le clavier et l'iPad, deux autocollants Apple qui traînaient parce qu'il y en a dans toutes les boîtes des produits. Et voilà, ça fait un truc presque original, mais bien mieux et bien plus classe. Alors bien sûr, c'est un dock, hein, vous voyez, le câble qui descend pour aller choper la prise, parce que bien sûr, à l'intérieur, il y a le fameux connecteur Apple, hein, que tous les produits marchent avec. Donc ça nous permet de clipser, hop, et le dock, vous voyez que du coup, ça charge. Vous voyez que le Bluetooth est allumé aussi, on verra pourquoi. Donc hop, vous voyez là un superbe fond d'écran Spider-Man, et du coup ça permet de travailler pas mal. Hop, tout sélectionner, on vire, couper, parce que j'avais déjà fait une autre vidéo que tout de suite vous ne verrez pas non plus, et je vais essayer de faire mieux parce qu'il y avait des petits ratés, mais vous voyez que je peux taper, là je vais taper de la main gauche comme un gendarme, mais je peux taper avec le clavier Bluetooth, donc avec le du coup tout le confort d'un vrai clavier. Hop, test du clavier Bluetooth sur l'iPad. Alors taper de la main gauche, vérifier le cadrage en même temps, j'avoue que c'est pas facile, mais je suis multitâche, je suis formidable, je vais y arriver. Et ce qui est bien aussi, c'est que finalement à l'usage, de ne pas avoir de souris, de faire au doigt, c'est pas aussi aussi embêtant que ça. Et ça nous prend aussi, regardez, si je fais copier, hop, un espace, et je fais le fameux commande V, hop, Bluetooth, donc ça nous prend les raccourcis clavier. Donc pour écrire sur Pages, que je n'ai pas encore acheté, mais ça ne devrait pas tarder, sur les choses comme ça. Tout à l'heure, je m'en suis servi pour répondre à un commentaire sur l'article, sur mon post sur l'iPad, donc un truc un peu long. Même si le clavier de l'iPad est très bien et très fonctionnel, un vrai clavier Bluetooth, comme le très bon clavier Apple, ça marche tout de suite mieux, c'est tout de suite beaucoup plus confortable. Alors rassurez-vous, hein, le clavier Bluetooth, je ne l'ai pas acheté en même temps que l'iPad, je l'avais déjà. Mais pourquoi aussi qu'il est bien ce dock maison, hein, indépendamment de la valeur affective qu'il en a, c'est le côté deuxième effet qui se coule de la deuxième encoche, qui m'est venu d'un petit outil tout bête qu'ils m'avaient donné, pardon, on va le tourner dans l'autre sens, ce sera plus pratique, avec la capsule Neo Pro que j'ai sur l'iPhone. Et vous voyez que ce coup-ci, il n'y a pas d'encoche. Pourquoi? Pour permettre de faire ceci. Alors attendez, c'est un peu, je suis obligé de le déclipser de la prise, hop, petite caméra qui bouge, c'est normal, hop, ça permet de faire ceci, voilà, de le mettre en mode paysage. Donc c'est tout de suite beaucoup plus sympa pour voir, par exemple, pour voir les photos. Hop, oh, il y a Lancil, oh, encore Spider-Man, enfin vous voyez. Et aussi, si jamais, on veut pouvoir se mater tranquillement des films, comme là, on a 3, hop, ça permet de lancer 3, Cry in English, hop, et vous voyez, vous avez votre petite fille, vos petits films, sans avoir à tenir le truc, sans que ça vous chauffe les genoux, même si l'iPad ne chauffe pas tant que ça, pour une fois un produit Apple qui chauffe pas trop. Et pour ceux qui se plaignent que l'iPad il est lourd, machin, patin, couffin, et là du coup vous n'avez même plus à le porter. Voilà, c'était Angelus Yodasson qui vous présentait ce petit dock maison. Vous voyez, c'est tout à fait faisable si vous êtes un minimum bricoleur. Donc vous pouvez aussi le tester vous-même, ça coûte rien. Les câbles, ils nous enfilent à la volée avec tous les appareils Apple. Donc vous pouvez facilement trouver un chez vous, un morceau de bois, et hop, ou les jeunesses, voilà, à bientôt pour une autre vidéo sur angelusyodasson.com.